女士们、先生们，新闻发布会采取同传方式进行，请佩戴好耳机。Mesdames et messieurs, la conférence de presse sera traduite en simultané. Veuillez mettre l'écouteur. Merci. 各位记者朋友，大家好。Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. 欢迎参加中共中央政治局委员、外交部长王毅同法国外长塞维尔内共同会见记者。Et le ministre Stéphane Séjourné. Tout d'abord, j'invite le ministre Wang Yi à prendre la parole. 各位记者朋友，大家好。Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Monsieur le ministre, quelques mois seulement après votre nomination, vous êtes venu en visite en Chine, ce qui illustre l'importance que vous accordez aux relations sino-françaises. Encore une fois, bienvenue chez nous. Tout à l'heure, nous avons eu d'excellents échanges et abordé l'ensemble des aspects des relations bilatérales et de la coopération dans tous les domaines. Un grand nombre de consensus ont été obtenus. Nous sommes tous d'avis que la Chine et la France sont deux grandes indépendances que nous devons chérir notre amitié et que nous assumons tous des responsabilités communes face aux enjeux globaux. Nous sommes convenus de nous guider sur le pilotage stratégique de nos chefs d'État pour travailler en cette année du 60e anniversaire des relations sino-françaises, à intensifier la communication et la coordination, à approfondir les échanges et coopérations pour que les relations sino-françaises soient dotées d'une plus grande stabilité et d'une plus grande vision stratégique. Nous allons notamment travailler sur les quatre points suivants. Le premier point est de renforcer la solidarité internationale. La situation internationale est volatile et la division et la confrontation gagnent du terrain. La Chine et la France, deux grands pays et fortes de leur sens des responsabilités, doivent contribuer à la stabilité et à aplanir les divergences dans le monde. Nos deux parties resteront en étroite communication sur les grandes questions régionales et internationales, soutiendront les initiatives multilatérales proposées par l'autre et donneront une impulsion sino-française à la réponse aux défis mondiaux et travailleront à rendre la communauté internationale plus soudaine. Deuxièmement, nous œuvrerons à un développement innovant. Nous approfondirons la coopération dans les domaines traditionnels comme l'aéronautique, l'aérospatiale, le nucléaire civil, l'agriculture et la finance, tout en travaillant activement à étendre la coopération dans les domaines émergents comme la transition verte et la manufacture intelligente. La Chine œuvre à développer des forces productives de nouvelle qualité et à promouvoir un développement de qualité. Nous aimerions travailler avec la France à mettre en synergie nos stratégies de développement et nos industries pour valoriser le potentiel de notre coopération bilatérale. Troisièmement, nous œuvrerons à l'ouverture et aux bénéfices mutuels. L'ouverture est la plus grande opportunité, tandis que la fermeture est le plus grand risque. La Chine ne marquera pas dans son processus d'ouverture. Nous importerons davantage de produits et de services français de qualité et faciliterons davantage le développement en Chine des entreprises françaises comme celles des autres pays. Et nous sommes convaincus que la France accordera un environnement d'affaires équitable, juste et prévisible pour les investissements des entreprises chinoises en France. Le dernier point, c'est de donner l'exemple du dialogue entre civilisations. Nous sommes en pleine année du tourisme culturel et dans quelques heures, le ministre Séjourné va inaugurer une très belle exposition coordonnée par le château de Versailles et la cité interdite. Nos deux parties se sont mis d'accord pour faciliter davantage la mobilité humaine, approfondir la coopération dans les domaines scientifiques, éducatifs, sportifs et patrimonial, afin de rapprocher davantage nos peuples. Voilà quelques mots de ma part. Dans quelques instants, je vais reprendre les échanges avec le ministre Séjourné sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun pour renforcer notre coordination stratégique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Maintenant, j'invite le ministre Séjourné à prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, cher Wang Yi. Je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui à Pékin et je vous remercie encore une fois de votre accueil. Il était important pour moi de me rendre en Chine pour mon premier déplacement bilatéral dans la région. Et c'est une excellente manière de poursuivre les échanges que nous avons d'ailleurs initiés à Munich lors de notre premier entretien en février. Alors nous célébrons cette année, vous le savez, le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Et je reviens du coup avec un grand plaisir et avec le désir que la relance de nos échanges se poursuive selon les orientations qui ont été fixées par nos deux chefs d'État, par les deux présidents lors de la visite d'État du président de la République en Chine en avril
2023. Depuis la reconnaissance d'ailleurs de la République populaire de Chine par le général de Gaulle en 1964, la relation franco-chinoise a toujours suivi sa voie singulière. En inaugurant ce 60e anniversaire, le président de la République et le président Xi Jinping ont réaffirmé leur responsabilité particulière qui incombe à nos deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies dans un contexte international que vous connaissez, instable, menacé par la fracturation. Nous devons concevoir ensemble des solutions pour répondre aux défis globaux et dénouer également des crises internationales. C'est la responsabilité de la France et de la Chine dans cette période compliquée. Alors, dans le sillage de nos échanges de février, notre rencontre à Pékin aujourd'hui nous a permis d'évoquer les prochaines échéances bilatérales de haut niveau et en particulier la prochaine visite d'État du président Xi Jinping. Elle constituera, je pense, un temps fort de notre relation et une manifestation de notre amitié qui est ancienne entre la Chine et la France. Nous avons également pu évoquer nos relations économiques. Vous savez que le rééquilibrage de notre partenariat économique est une priorité, comme elle l'est pour nos partenaires européens. L'Union européenne est un marché très ouvert, plus ouvert au monde, mais les déficits actuels avec un certain nombre de pays, dont la Chine, ne sont pas soutenables pour nous. Et nos échanges doivent aussi reposer sur une base saine et durable. Vous le savez, c'est une réciprocité, des règles partagées et appliquées à tous. Et pour autant, il n'est pas souhaitable, et je l'ai redit au ministre, il n'est pas souhaitable de se découpler de la Chine. Nous gardons des liens très importants que nous souhaitons renforcer, rétablir pour un certain nombre de secteurs. Et nous l'avons dit à plusieurs reprises. Je le réaffirme aussi devant vous, les entreprises françaises peuvent apporter une contribution majeure à l'objectif de développement de haute qualité porté par les autorités chinoises, que ce soit d'ailleurs dans l'agroalimentaire, que ce soit dans les transports, que ce soit dans les industries culturelles ou face d'ailleurs aux défis que nous avons à faire face dans les transitions environnementales. Notre coopération dans la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, ainsi que l'appui aux pays les plus vulnérables doit être poursuivi dans la continuité du pacte de Paris pour la planète et les peuples conclu en juin. Nous sommes déterminés à œuvrer également en commun et en faveur de la COP28 sur le changement climatique et à préparer ensemble la conférence des Nations Unies sur les océans de Nice en 2025. Ce sera un moment très important où la France accueillera grande partie du monde sur ces enjeux qui sont fondamentaux. Nous avons également évoqué la reprise des échanges entre nos deux sociétés. Cette relance passera notamment par la promotion des échanges en matière éducative, culturelle, comme l'atteste la vigueur de l'année franco-chinoise du tourisme culturel. J'aurai à ce titre, et vous l'avez évoqué, Monsieur le Ministre, et je vous remercie, j'aurai à ce titre le privilège d'inaugurer aujourd'hui un des projets phares de cette année, l'exposition Versailles à la Cité interdite, qui reflète la densité et la singularité de nos échanges culturels, de ce point de vue-là. Mais ces échanges n'ont pas de sens si nos sociétés devaient vivre dans un monde sans règles. Nous avons également évoqué l'ensemble des guerres et des conflits mondiaux, notamment la guerre d'agression russe en Ukraine. Et comme je vous le disais, Monsieur le Ministre, cette guerre concerne l'ensemble de la communauté internationale. Nous avons une conviction, c'est qu'il n'y aura pas de paix durable si elle n'est pas négociée avec les Ukrainiens. Il n'y aura pas de sécurité pour les Européens s'il n'y a pas de paix conforme au droit international. Et si nous n'aidons pas en droit international à triompher, je doute que nous puissions continuer, d'un point de vue collectif, à commercer et à garder une prospérité sur l'ensemble de la planète.
C'est donc un enjeu essentiel pour nous. C'est pour cela que la France est déterminée à maintenir un dialogue étroit avec la Chine pour contribuer ensemble à trouver un chemin, une paix durable en Ukraine, fondée d'ailleurs sur les grands principes de la Charte des Nations Unies. À cet égard, je souhaite également marquer la préoccupation de la France concernant les livraisons de missiles balistiques par la Corée du Nord à la Russie et les allégations identiques s'agissant de l'Iran. Ceci marque une escalade majeure dans le conflit. Il en va du plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il en va de la stabilité de l'ordre international, je vous le disais. Enfin, nous avons également échangé et approfondi nos discussions, et nous allons le faire maintenant sur le conflit au Proche-Orient. La situation humanitaire sur place est catastrophique, s'aggrave de jour en jour, et tous les otages doivent évidemment être libérés. Je l'ai encore redit hier au Caire, ça reste pour la France la priorité absolue. Nous partageons aujourd'hui l'objectif d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et durable, qui garantissent enfin la protection de tous les civils et l'entrée massive de l'aide humanitaire dans Gaza. Sur le plan politique, nous partageons la conviction qu'il est essentiel de relancer les efforts de paix pour mettre en œuvre concrètement la solution à deux États, sur la base notamment des paramètres internationaux qui sont agréés. C'est le sens du travail que nous allons mener au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et la concertation que la France mènera sur une éventuelle nouvelle résolution autour des paramètres politiques de la paix. Voilà, Monsieur le Ministre, pour conclure, je souhaite souligner ici l'importance du dialogue exigeant, mais important et toujours constant, je dois le dire, entre nos deux pays. Nous avons une responsabilité partagée pour identifier des solutions collectives en faveur de la stabilité du monde. Je pense que ça donne, en tout cas à la France et à la Chine, cette responsabilité du moment, notre capacité à travailler ensemble et puis à préparer ces échanges de haut niveau entre nos deux présidents. Je vous remercie en tout cas de votre accueil chaleureux à Pékin et je me réjouis des prochains contacts que nous pourrons avoir ensemble. 感谢塞若内外长。接下来我们进入答问环节。首先请法方记者向塞若内外长提问。AFP。 Bonjour Monsieur le Ministre, Sébastien Ricci de l'AFP, bienvenue à Pékin. Vous l'avez rappelé, la Chine et la France ont une responsabilité particulière vis-à-vis des crises internationales, notamment de la guerre en Ukraine. La France vient faire de la pédagogie auprès de la Chine pour expliquer à quel point la guerre en Ukraine a un impact sur le continent européen. Est-ce que cette pédagogie auprès de la Chine n'est pas brouillée ces dernières semaines par les récentes déclarations du président de la République sur la possibilité d'un envoi de troupes en Ukraine ? Je vous remercie. Merci de votre question. On abordera d'ailleurs la question au déjeuner. Donc, ces questions n'ont pas encore été éclaircies entre moi et le ministre, mais évidemment la Chine joue un rôle clé dans l'indépendance, le respect du droit international, y compris la souveraineté de l'Ukraine. Et donc nous attendons évidemment de la Chine qu'elle passe des messages très clairs à la Russie. Concernant les réunions qui ont eu lieu, notamment sur la question de l'ambiguïté stratégique, elles font partie de la stratégie européenne. Et d'ailleurs, le président de la République l'a rappelé, la question c'est de faire mieux, de faire plus et de faire différemment. Et c'est sur le territoire européen que cette guerre se mène. Et c'est de la responsabilité des États européens aussi d'envisager leur propre stratégie au conflit. Et donc il y a une forme de souveraineté européenne autour de la stratégie qui est abordée. Et donc je ne pense pas que questions, en tout cas liées à la stratégie, seront évoquées, mais plutôt de comment faisons-nous pour que la paix puisse advenir en Ukraine, qu'une chose, éventuellement que la Russie retire ses troupes. Et donc les messages doivent être passés très clairement à la Russie. Et nous attendons également d'un grand pays comme la Chine qu'elle puisse passer des messages très clairs. On souhaite tous
que la paix puisse advenir, mais elle adviendra uniquement si l'Ukraine est dans les discussions et dans les négociations et qu'on puisse avoir un rapport de force favorable à l'Ukraine. C'est tout l'enjeu, en tout cas, de la stratégie européenne aujourd'hui, remettre l'Ukraine dans une situation de pouvoir discuter. Merci, Monsieur le Ministre. J'invite maintenant un journaliste chinois à poser une question au ministre Wang Yi, CCTV. J'ai une question, une pour le ministre Wang Yi, une pour M. Séjourné. Monsieur le ministre Wang Yi, depuis la fin de l'année dernière, la Chine a annoncé des politiques d'exemption de visa pour la France et des certains pays européens, et la France a également posé a également annoncé des facilités de visa pour les étudiants qui ont étudié en France. Quelles sont vos attentes là-dessus? Et de plus, depuis le début de cette année, les échanges de haut niveau entre la Chine et l'Europe sont très intenses et les échanges reprennent rapidement. Mais dans le même temps, nous avons vu que l'Union européenne continue de réduire les risques vis-à-vis de la Chine. Certains en Europe appellent à imposer des restrictions sur les exportations de véhicules électriques chinois vers l'Europe. Quelles sont vos attentes pour les relations sino-européennes de cette année? You go first, please. Comme vous le savez, depuis la pandémie du Covid-19, l'Europe a eu à connaître un certain nombre de vulnérabilités et de dépendances. Et donc la stratégie européenne consiste à combler ces dépendances, dans l'intérêt aussi européen, et à regarder dans quel type de secteur d'activité de croissance, notamment la question de la décarbonation et les questions environnementales, peuvent créer des emplois, peuvent nous créer aussi des dépendances nouvelles sur lesquelles nous ne souhaitons pas que l'avenir nous fasse une question dépendante, une difficulté économique européenne. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, nous avons notre stratégie d'intérêt général européen, mais ça ne veut pas dire que l'Europe se ferme. Et donc, je le redis au ministre, l'Europe est encore un marché ouvert. Ouvert aux investissements, et la Chine est également un marché ouvert. Je l'ai rappelé dans mes propos introductifs, nous souhaitons que les entreprises françaises puissent venir également investir. Donc ce débat est légitime pour les Européens, constitue notamment une stratégie, ce que le président de la République évoque comme stratégie d'autonomie sur un grand nombre de secteurs d'activité. Et on continuera les discussions, mais ça ne veut pas dire que l'Europe devient protectionniste et ça ne veut pas dire que la Chine doit se fermer non plus. Et tout ça, je pense que les intérêts sont bien compris de parts et d'autre. S'agissant de la mobilité humaine, la Chine a adopté une attitude très ouverte parce que la COVID-19 est aujourd'hui bien maîtrisée. Nous aimerions redoubler d'efforts pour rattraper les dernières années, pour qu'il puisse y avoir plus d'échanges, d'amitié et de compréhension mutuelle, et pour mieux préserver la paix et le développement dans le monde. La partie chinoise a déjà pris des mesures là-dessus, comme l'exemption de visa que vous avez évoquée tout à l'heure. Et dans le même temps, nous sommes en train d'envisager de prendre des mesures pour faciliter davantage les voyages, les paiements des ressortissants étrangers lorsqu'ils sont en Chine. Les amis français sont les bienvenus à venir plus nombreux en Chine. Cette année, c'est l'année du tourisme culturel et le 60e anniversaire des relations sino-françaises. L'amitié sino-française est impulsée et propulsée par l'amitié entre les deux peuples. Et le fondement de l'amitié sino-française réside dans nos peuples.
Nous espérons que, en cette année du tourisme culturel, davantage d'amis français viendront en Chine pour connaître le développement de la Chine, pour connaître la Chine d'aujourd'hui et pour promouvoir davantage le développement des relations sino-françaises. S'agissant des restrictions des mesures économiques et commerciales de l'Union européenne, d'abord, il faut voir que la Chine et l'Europe sont liées par un partenariat stratégique global. C'est la coopération qui l'emporte entre les deux parties. Nos intérêts communs dépassent largement nos divergences. Depuis le début de cette année, les échanges reprennent à tous les niveaux entre la Chine et l'Europe. Dans mes échanges avec les responsables politiques européens, j'ai constaté une perception plus rationnelle de l'Europe vis-à-vis de la Chine et qu'il y a une plus forte volonté de la part de l'Europe pour coopérer avec la Chine. Je suis convaincu que les deux parties sont partenaires et non rivaux et que la Chine est une opportunité et non risque pour l'Europe. Et nous comprenons dans quel contexte que le terme du de-risking a été avancé. Et nous sommes convaincus que ce de-risking n'est pas contre un pays spécifique et que réduire les risques ne doit pas aller à l'encontre des règles de l'OMC. L'attitude de la Chine est claire. C'est l'ouverture qui conduira au progrès, tandis que la fermeture nous fera marche en arrière. Et le ministre Séjourné a affirmé que l'Europe ne veut pas se couper de la Chine, parce que se couper de la Chine, c'est le plus gros risque. Nous aimerions travailler avec l'Europe pour poursuivre une politique ouverte, soutenir le libre-échange et favoriser la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondial et promouvoir la reprise mondiale. La partie chinoise n'a cessé de redoubler d'efforts pour favoriser l'assouplissement des conditions d'accès au marché chinois et promouvoir le flux transfrontalier des données. La Chine restera inébranlablement déterminée à promouvoir une ouverture au niveau. Et nous resterons inébranlablement déterminés à approfondir la coopération avec l'Europe. Nous aimerions travailler avec l'Europe à devenir l'un l'autre partenaire clé de coopération économique et commerciale, partenaire privilégié de coopération technologique, partenaire fiable en termes de développement industriel. La France est un pays clé au sein de l'Union européenne. Nous espérons que la France, et nous en sommes convaincus que la France pourra jouer un rôle favorable pour promouvoir un développement sain des relations sino-européennes. Ainsi se termine la conférence de presse. Merci de votre participation.